Salut tout le monde, c'est X-Roger, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis en compagnie de Nadamé. Bonjour Nadamé. Salut à toi et salut à tous tes abonnés. Cette vidéo va porter sur One Piece Pirate Warriors 2, voilà, c'est un jeu qui est édité par Tecmo Koei, développé par Omega Force, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos qui portait sur Dynasty Warriors 8. Les développeurs et éditeurs se font entendre en ce mois d'août, car ils ont sorti deux jeux ce mois-ci, c'est assez rare venant d'eux. Le jeu est sorti le 30 août 2013, il a eu la brillante note de 15 sur 20, mais notre cher Nadamé ici présent l'a eu quelques mois en avance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? C'est tout simple, il est sorti, alors la date c'est en mars, c'est ça ? Ouais. Il est sorti en mars au Japon, et donc je me le suis fait importer. Comme la plupart des jeux qui sont disponibles en export du Japon, quoi. Il y a beaucoup de mois à l'avance. Beaucoup de personnes font ça, ouais, et pour quelques euros de plus pour l'import, et t'as les jeux quelques mois d'avance, c'est pas mal, quoi. D'accord. Bon, par contre, petit inconvénient, toi, tout est en caractère japonais, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça rentre bien dans l'univers, donc c'est super sympa, quoi. Bon. Même si on a besoin de s'y retrouver, des fois, c'est assez dur. Bon, très bien. Donc je vais l'expliquer à nos éditeurs qui nous suivent sur consolefan.fr, quand même, que je rappelle chez qui je fais les vidéos. En fait, nous sommes en duplex, lui et moi, sur Skype, en fait, car on comptait vous faire la partie en ligne, et c'est pour ça que je vous parle des jeux en export du Japon. C'est comme il a une version japonaise, on ne peut pas faire de partie en ligne, donc il est chez lui avec Skype, et moi je suis chez moi, donc du coup, on va faire la même partie ensemble pour pouvoir essayer de s'y retrouver et de parler de la même chose ensemble. Ça va être assez compliqué, vous allez me voir tout seul jouer, ouais. Jouer seul dans son coin. Mais bon, enfin, on va essayer de se démerder comme on peut, mais bon, comme je vous l'ai dit, et si vous suivez un tas sur un peu mes vidéos, j'essaie de prendre des gens qui peuvent parler du jeu vidéo avec assez d'aisance, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un peu lui qui me fait connaître les nouveaux épisodes de One Piece, etc. Donc voilà, grand manga que j'apprécie. Enfin bref, on s'était mis d'accord pour faire quelle partie, Nadamé ? La mission 1 du chapitre 3. Voilà, ok. Donc le jeu vous propose différents chapitres, donc là j'en suis, voilà, vous avez l'épisode principal, donc par l'aventure dans le monde normal, sinon il y a les épisodes partenaires, des sortes de quêtes annexes, mais bon, on va pas s'y appuyer dessus, voilà, j'ai pas trop envie de vous faire de spoil. Donc voilà, on va refaire la première mission du coup du chapitre 3, comme ça on pourra parler de la même chose. J'en viens déjà à un des premiers points que l'on pourrait expliquer, les gens le voient sur mon écran, il y a une espèce de bouée de sauvetage avec écrit SOS. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est ce petit mode, ce nouveau mode, quoi ? C'est entre guillemets un nouveau mode, mais c'est juste une nouvelle façon d'interagir avec des personnes dans le monde. C'est totalement aléatoire, ça va apparaître, il suffit d'appuyer sur carré, ça va demander de l'aide à une personne en ligne qui va rechercher une partie, et vous allez faire la partie en ligne avec le joueur en ligne qui l'a accepté. Ouais, donc en gros, c'est une simple demande d'aide, quoi. Voilà, c'est... Non, SOS, quoi. D'accord, très bien. Comme vous pouvez le voir à la droite, il y a des pièces secrètes à découvrir dans le jeu. Bon, ça, on en parlera en faisant le jeu, parce que bon, je vais pas rester au menu tout le temps. Vous avez la boutique Berry, par exemple, qui s'affiche avant que je lance la partie. Ça vous permet d'acheter des vidéos, des images pour la galerie, enfin, plein de petits trucs à débloquer. J'en suis au menu des personnages, là. Je vais me cliquer sur la sélection des persos, dont Nadamé fait de même, comme ça on va s'y retrouver toi et moi. Ouais. Donc voilà, déjà on peut voir sur l'écran de sélection des personnages qu'il y a, on est passé d'une quinzaine de persos à 36 personnages. Ouais. Voire même 37, c'est ça ? Ouais, un petit perso caché qui va apparaître à la fin quand vous aurez fini le jeu. Qui fait toujours partie de l'univers de One Piece quand même. Oui, c'est un personnage clone d'un des personnages. D'accord. Bon, très bien. Tu vas prendre qui de ton côté ? Aokiji. Alors, qui en français s'appelle comment ? J'ai oublié. Kuzan, attention. Voilà. Non mais ils ont des noms, je comprends vraiment rien, quoi. Enfin, limite. Je sais pas d'où il la sort la traduction, en fait. Ouais, mais pourtant, voilà, Usopp s'appelle bien Usopp de mon côté, et alors que normalement, dans la partie française, il l'appelle comment ? Pipo ou un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc du genre. Ouais, bon, c'est bizarre. Non, ça me manque. Tant pis. Donc toi, tu prends qui ? Bah, Mihawk, pour ma part. Mm-hmm.
Bon, ben, ça devrait Donc, aller. ouais, il est niveau 25, toi, je sais pas à quel niveau tu es, toi. Moi, lui, il est niveau 46. D'accord, ok, ouais, bon, très bien, on va vite le boucler cette partie. Hein. Du coup, donc, bon, j'ai sélectionné mon perso, je suis au chargement en cours là. Ben moi, je suis en train de sélectionner mes pièces là. D'accord, ok. Donc là, vous avez la brève. Bref, petite histoire, car oui, il s'agit en fait d'une Dream Story pour Pirate Wars 2. En fait, ce n'est pas la suite du jeu, mais vous avez une nouvelle histoire qui vous est proposée. Donc, par exemple, oubliez que Ace et Barbe Blanche sont morts, ils sont toujours présents. Voilà, en fait, l'histoire raconte un dial en fait qui possède les gens, en fait, et ouais, Luffy voilà. va créer son propre équipage, enfin, une nouvelle armée pour essayer de récupérer ses propres membres, en fait. Ouais, pour battre. Sans spoil, le Barbe Noire qui est le méchant du jeu, on le voit sur la jaquette, en compagnie de Eneru et de Moria. C'est vraiment une belle équipe quand même, ça on s'attendait pas. Tu t'imagines, on le voit dans l'animé, c'est un truc de malade. Ouais, ce serait pas Bon. mal, ouais, c'est sûr. Donc vous le voyez qui est enfin à mon écran. Bon là je suis au moment des dialogues où est-ce que Luffy parle avec Smoker et Chopper. Donc Smoker fait partie de l'équipage à Luffy pour l'instant, belle recrue quoi quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est assez sympa. Bon, je vais passer les dialogues vite fait pour montrer justement les Ouais, différentes actions avant le menu, quoi. ne spoil pas l'histoire, ouais, ça, parce que c'est quand même assez avancé là. Ouais, bon, enfin, à vrai dire, c'est même une histoire qu'on ne pourrait jamais connaître si on ne fait pas le jeu, en fait. Ouais, c'est sûr, bah c'est propre au jeu. Non, franchement, c'est fort sympathique. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien amélioré comparé à l'ancien. Moi, pour moi, il est un gros coup Ouais, de cœur. il y a beaucoup plus d'ennemis, c'est. Là, pour preuve, avant, en moyenne, on pouvait battre 700 ennemis par mission, alors que là, rien qu'en une technique, on peut en battre une centaine, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est abusif. Voilà, ben ça, c'est plus immersif dans l'univers de One Piece, j'ai envie de dire. On voit des personnages dans le manga qui font des carnages en une technique, et là, c'est presque pareil dans le jeu, donc c'est vraiment pas mal. C'est assez sympathique. Donc voilà, moi j'en suis là, voilà, au choix des pièces. Donc parlons-en. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que trois pièces maintenant pour améliorer les points caractéristiques qui sont restés, comme la vie, l'attaque et la défense. On peut monter jusqu'à six pièces maintenant pour s'améliorer, c'est ça? Même 7, je t'ai dit une bêtise. Je viens de Ah. voir, moi je suis au maximum et j'ai 7 pièces. D'accord, ok. Bon, très bien. Donc, on va avoir des personnages encore plus OP que d'habitude, c'est magnifique. Voilà, bah, ça augmente considérablement la barre de vie et c'est vraiment pas mal. On peut choisir aussi son partenaire dans lequel on va faire, enfin, on va avoir un Ouais, voilà, son petit petit soutien. duo, voilà, son soutien. Même les personnages secondaires, enfin, que l'on ne peut pas diriger en gameplay, vont apparaître apparemment, selon toi, dans le Pirate Warriors 3. Ouais, s'il y en a, mais je pense qu'il y en aura un vu comment ça marche. On aura, comme celui-là, il y aura au moins une vingtaine de personnages en plus, voire plus. Ça a l'air d'être monstrueux. Ouais, c'est sûr. On peut choisir aussi les techniques pour améliorer son personnage en plus dans la partie, et on a un nouveau mode qui s'appelle le Croissance Berry. C'est un truc monstrueux. Alors là, c'est génial. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça vous permet en fait que si vous avez monté un autre perso que celui que vous aimez avec un gros coup de cœur, mais avec une certaine somme de berry, vous pouvez monter un perso que vous avez laissé. Genre, imaginons, Luffy, je ne l'ai joué qu'une fois, il est niveau 7. Vous voyez qu'avec mon Mihawk sur l'écran, il est niveau 25. Mais Luffy, je peux le faire monter niveau 25 parce que je suis arrivé niveau 25. Voilà, et pour tous les persos. Donc, ça, c'est assez sympa. Les berries se cumulent assez facilement pendant les parties, donc on peut vite les faire monter. Bon, ils demanderont une somme de berries plus conséquente plus le niveau sera haut. En parlant des niveaux, il y a en tout 50 niveaux, mais Nadame, tu pourrais nous préciser comment on peut arriver au niveau 100? Ouais, il y a la possibilité de monter jusqu'au niveau 100. Alors, vu comment c'est en japonais, j'ai pas l'explication exacte. Tu pourrais me dire la pièce, comment ça se débloque? Apparemment, il faudrait finir le jeu en difficile pour débloquer cette pièce. En ultra difficile même. Ouais, pardon, autant pour moi. Ouais. Avec le niveau de difficulté le plus élevé, tout simplement. Voilà. Et au bout de 5 missions du mode principal fait en ultra difficile, vous pouvez monter un personnage au-delà du niveau 50. Après, il faut en faire 10 pour me faire monter 50 persos au niveau supérieur. En gros, ça nous rallonge considérablement la durée de vie du jeu, quoi, et c'est vraiment pas mal.
À savoir que voilà, je suis à peine chapitre 3, tu m'as dit qu'il y avait plus que 3 chapitres et je suis déjà à 7 heures de jeu et pourtant j'essaie de le rusher en mode facile, c'est pour dire. Donc, Ouais, ouais, c'est vraiment long à faire. C'est bon, il te reste pas beaucoup beaucoup de missions non plus, mais il y a une fin secrète, donc ça, c'est encore plus long à faire. Mon dieu, ça me donne encore plus envie de terminer le jeu. Bon, je vais cliquer sur commencer la bataille. Donc, voilà, je te préviens pour toi aussi. Bah vraiment, ouais, je t'attends, j'ai déjà lancé, je t'attends en fait. Ok, bon, ben je clique sur commencer la bataille. Magnifique, hein, on voit l'archipel des Sabonis. Ouais, d'ailleurs, les chargements sont très courts dans ce jeu. Ouais, gros point à noter parce qu'ils étaient légèrement plus longs, enfin, voire même très très longs dans le jeu. C'est assez long, oui, et là, c'est très très court. Même en ligne, c'est assez court. Donc, c'est un bon point à noter quand même. Ouais, c'est assez sympa. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'il faut aller, tuer quel boss pour arriver à quel... qu'est-ce qu'il faut faire durant... pour débloquer le boss principal? Parce qu'après, voilà, ça reste un beat'em all, donc à chaque fois qu'on va arriver dans une zone, il va falloir péter du soldat. Bah, de toute façon, au début de cette mission, moi je monte tout en haut, parce qu'il y a que deux étages d'ouvert, donc... Je vais faire la même, je vais monter tout en haut. Ah ouais, t'as des mecs en costard qui t'attaquent. Ouais, bah c'est le CP9 là, je sais pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, le CP9 revient beaucoup dans ce jeu. Ouais, j'ai eu affaire au Ticket for ouais, déjà. Ouais, et ça va être encore... tu vas encore les rencontrer. Bon là, je peux activer avec Ron. Enfin, pour ceux qui sont habitués de chez Omega Force, on appelle ça le Musou plus communément, où c'est l'attaque spéciale du personnage, voilà, quand on tape sur Ron. Et la touche R1, toi, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, chez toi, c'est quoi en fait? C'est pour activer le... ben là, je l'ai utilisé. Bon, moi, j'appelle ça le mode acquis, mais c'est pas vraiment ça. En gros, on devient... Voilà, tous les persos longs, c'est au bout de... Quand notre barre est toute remplie, on devient un peu super puissant. On n'a pas de dégâts d'attaque quand on utilise notre soutien. Et on peut toucher les personnages comme Kizaru ou Smoker quand ils sont en mode Logia. Voilà, on peut les toucher. Donc c'est pas mal. Et puis quand on a assez tapé de monde dans ce mode-là, on peut activer notre soutien. Et moi j'avais Zoro là et j'ai fait un petit carnage avec lui là. Oh mon dieu, tu l'appelles Zoro. Zoko, excuse-moi. Ah, merci. Alors moi je suis tellement à cheval sur les premiers noms de la série. Bon, alors j'ai capturé la base du nord là. Toi t'es descendu à celle du milieu je suppose ou t'as fait celle... Ouais, j'ai déjà décimé celle du milieu là. Oh pardon, excuse-moi. Bah j'ai utilisé la seconde technique de Aokiji et elle est assez dévastatrice. Bon, moi je viens d'activer mon mode Aki comme tu dis. D'ailleurs, est-ce que t'as débloqué la deuxième technique de Mihawk? Non, je suis toujours qu'à une seule barre de grosse attaque. Bah alors, je peux l'expliquer à tes abonnés, c'est... Bah vas-y. À partir du niveau 24, vous débloquez la deuxième technique. En gros, même avec Luffy, quoi, vous avez qu'une seule technique jusqu'au niveau 24. Ce qui est dommage par rapport à One Piece Pirate Warriors 1, où là, on avait par exemple Luffy, où il y avait 4 super techniques. Dans cet opus, bah, il en a que 2, comme tous les personnages du jeu. Même si on a 4 barres, on a que 2 techniques. Donc c'est un petit dommage, mais les techniques sont assez impressionnantes, donc elles sont pas mal quand même. Ça reste quand même toujours potable. Ah oui, ça n'enlève rien au jeu, mais c'était un petit point dommage quand même. D'accord. Bon, après, on voit à chaque fois qu'on active ce fameux L1, en fait, pour ça fait des dégâts au perso. On va les mettre en super mode. Mais après je te vois, Luffy, ça se voit qu'il active son fluide. Il y a une animation spéciale pour Luffy, c'est le seul où ça fait ça. Ou je crois qu'il y a Barbe Blanche aussi, je suis pas sûr. Il y a tout le monde qui tombe dans le coma là une fois qu'il le fait quoi. C'est... Voilà, c'est l'animation exprès. Et d'ailleurs quand Luffy est au niveau 5, dès qu'il fait ça, tous ses ennemis autour de lui sont morts. Tiens, c'est abusé. Ouais, ça c'est tout. Bon, il faut pas mal jouer pour le débloquer niveau 100, mais... Bon, après, moi de mon côté, j'explique juste pourquoi j'ai pris Mihawk, parce que je trouve que c'est l'un des personnages les plus abusés du jeu. Déjà, c'est un perso qu'on prend énormément de plaisir à jouer, parce que rien que si on suit un tant soit peu l'anime, on se dit que ça doit être vraiment un perso, sans le connaître, qui doit vraiment envoyer du pâté, quoi. C'est sûr, ouais. Et bon, après, je sais que Aokiji, bon, après, c'est un ancien des trois principaux amiraux de la marine. Voilà, voilà. Il est tout aussi cheaté, ils ont tous les deux une très grande portée, donc... C'est ça qui fait leur...
que j'ai énormément typé chez Rokidji, c'est que quand tu la, quand tu actives son son mode, ben il a après il met du de la glace partout au niveau de ses pieds, ça, ça fait des dégâts. Mais, ouais, j'ai déjà fait plus de 100 KO avec cette technique, alors que c'est même pas une super technique, donc c'est pour dire. Ouais, non mais c'est abusif. Non, ouais. Après, il y a d'autres persos qui sont beaucoup plus compliqués à jouer. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, si vous avez dû le voir quand j'étais à la section des personnages. Par exemple, on peut incarner Marco. Marco, quand même, est assez dur à diriger quand il se transforme. Ouais, moi je l'aime bien parce que il change un peu quand même. Il faut un peu jouer avec lui quand même pour bien le diriger. Après, ça, c'est très facile quand même. C'est un personnage, c'est un des plus forts quand même du jeu. D'accord. Là, par exemple, sur mon écran, là, bon, je sais que tu le vois pas, mais je suis passé devant un coffre. On parlait des pièces. Tu peux me préciser ce que c'est que les coffres, enfin les trésors? Alors, c'est un coffre bleu ou un coffre rouge? Bon, là, j'étais devant un rouge, mais bon, voilà. J'aimerais que tu parles des bleus, quoi, surtout. Ouais. Bah, je vais commencer. Alors, les coffres rouges vous donnent des pièces. Alors, des pièces semi-rares ou des pièces communes, quoi, des pièces de bronze et d'argent, quoi. Hein, ils peuvent vous donner aussi pas mal de berries. Et ensuite, bah, les coffres rares, il y en a deux par niveau du mode histoire. Ce sont des coffres qui vous donnent une pièce secrète du jeu que vous pouvez en avoir que dans ce niveau-là. C'est pour terminer le jeu à 100% évidemment, hein, pour faire les succès et pour pouvoir mieux améliorer vos personnages aussi. C'est voilà, à savoir que dans le mode histoire, par niveau, on peut avoir que trois pièces secrètes. Un quand on fait le mode, quand on finit la mission en S et deux dans les deux coffres bleus. Il y a deux coffres bleus par niveau. Bon, c'est assez cool. Pendant que tu parlais, là, les gens l'ont vu, il y a eu l'intro, j'ai Ener qui vient d'arriver là. Ah, moi je l'ai pas encore, oui. T'as dû aller au milieu toi. Non, justement j'y vais maintenant parce qu'il vient d'y apparaître. Ah. Il l'appelle. Elle s'appelle comme ça même dans l'anime. Elle s'appelle Pirona, celle qui a les fantômes. Ah ouais, elle s'appelle comme ça aussi. D'ailleurs, c'est un des persos que j'aime le moins dans le jeu. Bah, c'est vrai qu'elle fait pas grand chose. Ah bah si, il y a Ener. Tu l'avais pas vu. Non, j'ai peut-être le one shot. Ah bah moi il vient de s'enfuir. Hein. Ah non, je. À moitié juste. Voilà, je vais terminer le dernier. La dernière phrase à l'écouter. Ah, il y a un mec du CP9, il y a Lucci. Ah, bah ouais, bah. Ah, et Bueno aussi. Il y a Blueno. Ouais, ils apparaissent tout le temps, c'est. Bah, en fait, ils aident. En fait, ils sont du côté méchant, quoi, c'est ceux qui aident Barbara. Ouais, voilà, en plus, c'est des persos assez chiants à. Oh putain, comment ça s'appelle déjà, ouais, celui qui a la gueule de girafe, là. Ah, Kaku. Ouais, vu qu'il me met des coups de tête, qu'est-ce que j'aime pas. Ouais, oui. Ou encore Blueno, là, avec ses coups de jambes, là, et. Il spam ça et c'est assez chiant. C'est assez chiant, lui. Ah, ouais. Là, je viens de faire la comment ça s'appelle, le tag avec Luffy, là, du coup. Ah, ouais. Ouais, moi, je me suis mis Luffy parce qu'il fait vraiment trop mal, même en support. Hein. C'est un peu... Oui, mais c'est... Dans les niveaux où vous aurez de la difficulté, je vous conseille de prendre Luffy parce qu'en soutien, le boss, il passe, quoi. Ah, ouais, c'est un truc de mal. Bon, déjà, les soutiens feront de plus en plus mal avec le jeu. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que Luffy, c'est celui qui fait vraiment la différence, quoi. Ouais. Bon, voilà. Ouais, ça y est, j'ai un nouvel encore qu'ils ont pu voir. J'ai récolté un petit peu de berry, 25 000. Ouais, enfin, un petit peu, c'est quand même pas mal. Ouais, d'ailleurs, vers la fin de la mission, si tu surveilles bien ta minimap, il y a un sort de point vert qui va apparaître et c'est la localisation du coffre bleu. Ah, bah oui, les trésors qui apparaissent. Voilà. Bon, moi ça y est, moi j'ai plus que le centre qui est en rouge là. Ah ouais, les 4 petites zones. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah moi je viens juste de battre Bueno et ouais, Lucci. Moi aussi, pareil. Bon, il faut juste attendre que Ener revienne, c'est ça. Ouais, il revient plusieurs fois parce qu'il fuit à chaque fois. Ouais. C'est une tapette. Ouais, voilà. Bon, enfin, non, sinon... Du coup, qui c'est qui vient de faire un gros coup là derrière? Oh, c'est juste un commandant pirate. Purée, oh, par contre, des fois, quand ils font des zones de choc, purée, mais les vols qu'ils prennent, c'est une malade. Ouais, c'est sûr. Ener est revenu. Je vais essayer de m'en occuper. Il est où? Il est là. Hop. Je me transforme en Super Saiyan. Mais là, il s'est mis en mode Logia, donc du coup, je peux le toucher parce que je suis en transformation. Quoi. Après, il faut toucher plusieurs, des sbires, quoi, des petits combattants pour pouvoir récupérer sa jauge. Ouais, récupérer la jauge de tag. Ouais. J'ai coffre bleu alors que j'ai déjà toutes les pièces secrètes.
Peut-être que je débloquerai d'autres pièces, peut-être que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je pense pas, mais... Ah non, je vais juste monter de niveau. Ah oui, il y a un truc que je viens de penser. On peut aussi faire les... monter les pièces de niveau. Ah oui, les oui, oui, les pièces, pièces montent, monter ouais. Jusqu'au plus on les garde, 7. Plus... Voilà, elles montent jusqu'au niveau 7 maximum. Enfin non, niveau 6 maximum, mais c'est quand on fait des associations avec d'autres pièces qui ont un rapport. Par exemple, Brooke avec son violon. Ça fait monter la pièce d'un niveau encore. Ouais, j'avais vu que j'avais la pièce de Bartolomeo Kuma, et si j'avais aussi la grosse là, qui l'accompagne, il y avait une ouais, association. Voilà. Enfin, comment ça s'appelle déjà Saint Tomorrow, mais c'est, une, c'est un ouais, homme. Ouais. C'est un homme. Ouais, ouais. Ah putain, grosse nouvelle, je savais même pas. Donc voilà, ouais, c'était un petit truc comme ça, mais ça peut être utile. Ah c'est ça, putain. Dans les mangas, ils te font des voix avec des meufs qui remplacent la voix des hommes. Ouais, attention. Attends, ça me fait penser à quel manga déjà? Ben Naruto par exemple. Bah Naruto, ouais, c'est une femme. Ouais, ouais. La VF de Naruto, c'est... C'est vrai. Ah, toi tu vas plus manger cher dans ta gueule. Bon, moi j'ai eu les 4 renforts qui sont arrivés là. Sur les 4 petites zones. Je sais pas pour toi de ton côté. Ah, ben, moi là je suis en train de battre Ener. Parce que là j'ai toutes les zones bleues. Ah, voilà, il a fui et là je suppose qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Ah ben Lucci et Bueno ont ouvert les portes, ça y est. Ah oui, c'est vrai qu'à gauche, on n'y est pas encore allé. Ben ouais, moi je vais y aller directement. Ben ouais, moi j'attends que ça se... Ah non, il est retourné en bas. Oh putain, je suis en train de me transformer, j'ai eu un chargement en cours. Ah ben c'est Kuma qui arrive. Ah voilà. Enfin, je sais pas si c'est un pacifista ou Kuma. Je crois que c'est Kuma, parce qu'il avait un gant pour tenir sa Bible. Ah bah alors, s'il ah a non, une Bible... Ah non, autant pour moi, là maintenant, là, il a plus... Ouais, il a la Bible dans ses mains, mais il a pas de gant. Ouais, bon, c'est peut-être un détail, mais s'il a la Bible, normalement c'est Kuma, je crois. Oui, oui, ben oui, parce que à la fin il dit qu'il est rejoint, je crois. Ouais, ouais. Et là, je crois qu'on débloque Ace. Ah non, non, on débloque Kuma à ce niveau, oui. C'est Kuma que l'on débloque, ouais. Je dis ça parce que c'est à chaque fois avec Ace que je fais ce niveau. Mais, comment ça s'appelle? Tu as. Oui, à savoir que tous les gens qui vous rejoignent au fur et à mesure dans le jeu, ils sont jouables après une fois qu'ils rejoignent mais votre équipe à vous uniquement quoi. Voilà. C'est pas parce que Lucci et Blueno sont contre nous que je vais pouvoir les diriger maintenant quoi. Ouais, d'ailleurs c'est une des déceptions du jeu, le CP9 n'est pas jouable dans ce jeu là encore. Et pourquoi toi tu attendais à les diriger en particulier? Bah ouais, parce que c'est quand même des persos quand même assez importants du jeu. Ouais. Même, peut-être pas tout le CP9, mais au moins Lucci, je pensais qu'on pourrait ouais, jouer, les, mais pas encore. Les 4 animaux, quoi. Ouais, voilà, les Zoan, je pense qu'on aurait pu les jouer, et... Bon, ce sera pour le prochain, mais bon. Pas encore. On verra bien. Oh, attention, je suis en train d'essayer un truc. Putain, fais chier. Je m'étais mis en tag, tu vois, je dirigeais Luffy, et j'essayais d'aller d'une zone à l'autre en le gardant pour justement qu'il fasse son attaque et qu'il repasse Yoke après. Parce qu'il reste assez de temps, quand même, hein, Luffy, mine de rien. Enfin, oui, supports, plus, quoi, plus tu les montes de niveau, parce que ouais, les supports montent de niveau aussi, j'avais oublié de le dire. Ouais, ils ont 10 niveaux, je crois. Ouais, c'est ça. Et ils restent plus longtemps. Plus tu les montes de niveau, plus ils restent. Y a Kuma, il vient d'apparaître comme maintenant, moi. Oh. Écoute, c'est le ciel. Je crois que c'est moi, en fait, je crois que j'ai mis difficile ou très difficile, je sais plus. C'est pour ça que c'est aussi long, moi. Bon, je crois que j'ai laissé le monde normal. D'ailleurs, il reste qui à battre? Ah, j'ai plus qu'un mot. Ah, j'ai Ener qui vient d'arriver. Ah, c'est bon. Je crois que ça y est, c'est terminé. Je le dégomme. Allez, poussez-vous tous là. Arrivez. D'ailleurs, je crois que niveau combo des personnages, il y en a beaucoup plus dans ce jeu que dans le premier. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a plus. Et moi, je suis en train de réaliser un epic fail, là, tu vois, j'ai fait mon. Ah non, j'avais fait mon attaque derrière Ener, je croyais que j'allais pas l'avoir. Ah, enfin, tu voulais me parler vite fait d'un point négatif que t'avais retenu au niveau du mode online. Disant que tu rencontrais des rushers. Ouais, voilà, bon. Là, je pense que maintenant qu'il est sorti dans le monde entier, je pense que le problème va être plus léger. Mais, des personnes qui sont des gros joueurs du jeu, quoi. Par exemple, ils sont déjà roi des pirates dans le mode en ligne. Ils ont tendance à faire un sort de... C'est pas un cheat, mais c'est un peu pour booster ses personnages. C'est faire un niveau en très difficile, ce qui rapporte beaucoup d'XP, mais très rapidement. Donc par exemple, je prends un exemple. Quand je rejoins une partie en ligne, ils ont...
ils prennent tout le temps le même niveau et finissent le niveau en moins d'une minute. Ça m'avait assez choqué la première fois et après j'ai eu l'habitude tellement ça arrive deux fois. Et donc c'est un des points négatifs puisqu'on n'a même pas le temps de jouer quoi. D'accord. Ok, bon moi de mon côté ça y est, je suis en victoire, je suis en train de... Ah mais non en fait j'étais même pas en mode normal, j'étais encore en mode facile. Ah ouais. Bah bon, moi, après, comme j'essaie de le tarter en mode facile, normal et difficile. Donc... Ah ça y est. Ah oui, à savoir, oui, soyez très attentifs pour le début de la partie, parce que si vous cliquez sur croix en disant il y a sauvegarde automatique, etc., mais il vous propose est-ce que vous voulez rester en mode facile, et en fait, une fois qu'on a cliqué sur croix, ben, en fait, on ne sait même pas en quel mode difficulté on est, le jeu se calibre automatiquement, en fait, il faut aller le régler dans les options. Ça. Voilà. Bon, moi, ça y est, de mon côté, là, j'ai l'évaluation des résultats. Ah bah ouais, bah si t'as d'autres choses à montrer. Pas spécialement, je pense que oui, je vais montrer les pièces vite fait. Et puis après, voilà, on voit 9000 octres trancher un énorme iceberg. Ben moi là, je suis en train de finir NR. Donc c'est un jeu, ouais. Moi personnellement, je le conseille quand même. C'est un après, très bon ouais, voilà, les fans de la série normalement. Surtout pour les fans, ouais, mais après, peut-être que pour les personnes qui sont pas forcément fans, attendre un peu que le jeu sorte en occasion, peut-être. Éventuellement. Après, c'est un très bon jeu qui peut même donner envie à des gens de se lancer dans le manga quand même. Mais de toute façon, même les jeux d'Omega Force, déjà, ils démarrent pas à des prix si exorbitants. Bon, là, il y avait le collector avec la figurine qui a augmenté un peu le prix du jeu dès ouais. À sa sortie. Mais les jeux d'Omega Force, généralement, ne restent pas à 70€ sur les consoles next-gen. Je crois qu'il est très longtemps sur le marché. Quoi. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti à 70€ One Piece. Hein. Je crois qu'il est sorti à 60. Tu as raison, ben, je l'ai eu à 60. Ouais. Bah ouais, ouais. Tu as raison. Parce que je me souviens que le 1, je l'avais eu à 50€ à sa sortie. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, ouais, c'est. Donc en plus, prix abordable quoi. Ouais, voilà, c'est. Je le conseille ce jeu quand même. Bon, là, on a vu que Luffy a gagné son expérience, mais bon, comme il est niveau max, là, ce sont les pièces qu'on a récoltées, vous les récupérez. Ouais, les pièces ne sont pas jetées quand on en a plusieurs maintenant. Oui, voilà, maintenant c'est pour monter. On les garde niveau, absolument ouais. Toutes quoi. Voilà. Donc voilà, sauvegarde en cours. Bon, même de mon côté, j'ai terminé. Est-ce que, Nadami, tu voulais rajouter un petit quelque chose avant de conclure? Non, pas forcément. Non, j'ai rien à rajouter. On a fait le tour quand même. Je pense que, ouais, voilà, on a fait le tour. On peut maintenant, là, je pense que les trucs à trouver. Ce sera ouais. Que aux joueurs qui aura découvert voilà, la quoi. Faire, quoi. Voilà, exactement. Bon bah écoute Nadame, je te remercie d'avoir fait ce test en duplex avec moi, c'est une nouveauté pour moi, je kiffe bien mais bon. Merci de m'avoir invité. Bon, et eh bien écoutez, c'était donc ma vidéo de présentation de One Piece Piratoire Heroes 2, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao.